Yo la famille, comment vous allez? C'est votre homme serviteur Eric Thor. J'espère que tout le monde va bien. Très bon dimanche à tous mes abonnés, que vous soyez chinois, que vous soyez de la Bénomania, que vous soyez des Magnans. En tout cas, bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. Puis restez toujours positif. Voilà. Bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà souligner que beaucoup dans les deux camps vont très mal interpréter cette vidéo-là. J'en suis déjà habitué, mais je le signifie quand même en début de vidéo. Et puis en même temps, signifie quelque chose. C'est que désormais, je vais commencer à parler de plusieurs choses. Quand je parle de parler de plusieurs choses, parler de quelques entreprises, parler de ce qui nous concerne dans nos différentes sociétés à Abidjan ici et même à l'extérieur. Je vais essayer de m'ouvrir maintenant. Voilà, parce que je sais que parmi vous, c'est vrai que tu es fan des Didier Raffat, tu es fan des Bordeaux, tu es fan des Beno, tu es fan du coupé décalé. Mais je sens souvent par vos commentaires que vous avez envie de découvrir autre chose, de connaître autre chose, l'actualité d'autre chose. Et j'ai pris conseil, j'ai pris note. Et puis, sachez que maintenant, dans toutes mes chroniques, dans toutes mes vidéos futures, je vais faire une petite lucarne de 1 minute 30 à 2 minutes 30 pour parler soit d'une société ou soit d'un nouveau projet, nouveau produit, sur la place. Et je sais que ça va vraiment vous plaire. Et puis, retenez que mon micro-trottoir, la première division de ma première émission, de mon premier micro-trottoir, sera diffusée dans le mois de janvier. Là, c'est sûr, c'est calé. Là, je peux vous promettre, en janvier, vous recevez le premier micro-trottoir. Voilà. Je vais déjà, dans les jours à venir, vous faire un sondage pour savoir quel sujet vous voulez que j'aborde d'abord dans ce micro-trottoir-là. Parce qu'à la base, ce micro-trottoir va parler de tout. Mais je vais commencer d'abord par mon coupé décalé pour mettre un peu d'ordre dedans. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour, si vous voulez, pour les faits divers. Maintenant, concernant la vidéo, je vais en venir. Ne soyez pas pressé. Voilà, ne soyez vraiment, vraiment pas pressé. Il y a l'album de Didier Raffat qui arrive. C'est le 28 décembre. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça dérange beaucoup, mais cet album est là, soutenu. Et puis, je vais le soutenir. En fait, dans cette vidéo, j'ai tenu à faire cette vidéo-là parce que c'est à cause de certaines réactions. Voilà, je veux que ce soit clair en fait. Nullement je n'ai dit ici que je ne soutenais plus Didier Raffat ou bien je n'encourageais plus Didier Raffat. Nullement je l'ai dit quelque part. J'ai simplement dit que, au regard de tout ce qui s'est passé entre lui et Debordo Lee Koufa, concernant le concert du 29 décembre, moi, je vous l'ai dit clairement, ce concert-là, je ne le soutiendrai pas et je ne le soutiens plus. Si parce que je ne le soutiens plus, je suis devenu le faux, le jaloux, le sorcier, Hamdoulilah, c'est vous qui voyez. Mais quand moi je fais quelque chose, quand je pose mon acte, ça fait vraiment de bonne foi. Voilà, ça fait vraiment beaucoup d'amour, sans hypocrisie et sans intérêt en fait. Voilà, c'est ce qui doit être clair. Donc, cette vidéo, elle est à Didier Raffat, mais en même temps à ses fans. Quand je parle de ses fans, je parle des bons et des moins bons. Quand je parle des moins bons, je ne suis pas de ceux-là même qui réfléchissent pas dans les fanatismes en fait. Voilà, c'est à ceux-là. Ils se reconnaîtront, voilà, parce qu'ils vont commenter encore. En fait, moi je préfère, voilà, parce que je vous dis, ça seulement c'est pas pour vous mentir, il y a beaucoup de Chinois qui épousent mon idée, il y a beaucoup de Chinois qui sont d'accord avec ma vision, ma philosophie et tout ça. Donc, c'est pas à cause de cette petite minorité-là que je vais culpabiliser ou bien. Vous avez vu que vous parlez depuis, mais je parle plus du 29 décembre. Je ne ferai plus. Voilà, Didier Raffat est ivoirien, que j'apprécie beaucoup. C'est Dieu qui est mon témoin. Parce que vous, je ne peux pas vous faire confiance. Vous êtes tous des hypocrites. Ça faut le savoir. Vous êtes tous des hypocrites. Voilà. Il y en a qui soutiennent vraiment. Il y en a qui soutiennent avec beaucoup de réflexion. Il y en a qui soutiennent avec beaucoup de recul. Ils ne soutiennent pas pour soutenir, en fait. Donc, je ne le fais pas à cause de vous. Voilà. Si Dieu sait que je suis sincère, c'est le plus important. Voilà. Pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de ne pas soutenir Didier Raffat. C'est vrai, il y a eu des interprétations, il y a eu des problèmes entre lui et puis Debordo Lee Koufa, mais c'est même pas à cause de ça en fait. C'est l'ingratitude et le manque de reconnaissance de la part de ces fans-là qui m'ont vraiment vexé. Sans vous mentir, pour une fois, j'ai été vexé par votre réaction. Parce que je me dis que quoi, depuis la réconciliation entre Debordo Lee Koufa et Didier Raffat, j'ai été le seul, on va dire bien le seul, peut-être même pas le seul. Il y a mon petit cagoulé qui encourageait votre Didier Raffat. Il y a qui encore? Entre, il y avait quand même un bon petit nombre de vie de monde et de Bordeaux qui encourageait Didier Raffat dans tout ce qu'il faisait, qui défendait Didier Raffat. Mais vous aussi,
prenez un instant et puis jugez vous-même pour voir entre nous, entre nous et vous qui sont les hypocrites en fait. Je veux que vous me rappelez simplement un seul jour ou un seul vidéoman du camp Arafat a fait une vidéo pour bien parler de Bordeaux. Ça n'a jamais existé. Si vous voulez, si cette vidéo-là existe là, copiez le lien et venez le mettre en commentaire. Ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Mais nous, on le faisait pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on parle de réconciliation. On ne va pas être borné comme ces fans-là qui passent tout le temps à insulter notre titre de Bordeaux, qui les insultent, tout comme fait l'injure, là, ça ne se colle pas sur lui. Donc, on s'arrête là. Vous comprenez un peu? C'est à tout ça que j'ai pensé. J'ai dit, ben, apparemment, c'est moi qui dois être l'idiot, on dirait. Parce que on insulte ton artiste, on insulte ton artiste, on le vilipende. Mais tu es toujours obstiné à défendre son acolyte. C'est vrai que son acolyte n'a rien à faire. Mais c'est une façon d'envoyer un message à ce genre de fan pour lui dire que, d'abord, ce coin-là, c'est ma chaîne. C'est l'héritage de Cher TV, elle m'appartient. Je fais ce que je veux dessus. Voilà, je fais ce que je veux sur cette chaîne-là. Déjà, avant de continuer, félicitations à Didier Arafat pour son Orange Family, parce que j'ai regardé, j'ai suivi tout le concert. Voilà, j'ai pas honte de le dire ici publiquement. J'ai suivi tout le concert de Didier Arafat et j'ai bien aimé voir Baby Philippe, Claire Bailly, Le Mola, en tout cas plein, plein, plein de personnes à ce concert-là. C'est vrai que j'ai été vraiment triste de ne pas voir Débordeaux les Koffa. Les raisons sont déjà connues, mais j'ai suivi le truc et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Voilà. Comme il y a un contenu. Les droits d'auteur, c'est pourquoi je n'ai pas voulu publier sur ma chaîne. Sinon, moi, j'ai pas de problème, en fait. J'ai pas de problème. Maintenant, pour revenir sur le sujet, vous voyez un peu. Je passais tout mon temps à défendre Didier Arafat. Je passais tout mon temps à faire la pub et la promotion de Didier Arafat. Mais jamais de votre côté. Vous n'avez jamais eu le courage de dire, par exemple, à ces personnes-là que, ah, les amis, mais de aussi, vous exagérez. Il y a des gars comme Héritage de Chien Civil, le Cagoulé et autres qui parlent bien de trucs Didier Arafat. Pourquoi vous ne le faites pas aussi? Jamais vous le faites. Vous encouragez, bien au contraire, même quand ces gars-là fustigent mon artiste, insultent mon artiste, vous venez encourager. Je sais pas ce que vous entendez dire par hypocrite ou bien hypocrisie, mais j'ai bien l'impression que beaucoup d'entre vous ne connaissent vraiment pas la définition d'un hypocrite ou d'un sorcier ou d'un jaloux. Parce que tous ces qualificatifs-là, moi je vous retrouve dedans. Parce que moi j'ai été loyal du début jusqu'à maintenant. Voilà. Moi on ne m'influence pas. On ne m'influence pas. C'est parce que j'aime tellement qu'il y a de l'harmonie autour de moi que je persiste, 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 persiste dans mon élan de réconciliation et de paix. Sinon, je peux faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de sujets. Hein. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Sur YouTube, là, le sujet Arafat et des Bordeaux, pour ne pas dire chinois et mania, ne compte même pas 0,01% des sujets les plus suivis. Vous comprenez un peu ça, ça dit, c'est pas les sujets avec lesquels tu peux aller loin en fait. Mais c'est par amour qu'on le fait. C'est pas parce qu'on n'a rien dans la tête, mais c'est pas parce qu'on peut pas faire des recherches pour venir vous montrer certaines choses que vous connaissez pas ici. C'est pas pour ça. C'est parce qu'on est d'abord ivoirien et on a décidé volontairement de faire la promotion de cette musique-là. Quand même, on peut être borné, mais souvent on a quelques secondes, quelques minutes de répit sur nous et puis on réfléchit pour dire que, ah, mine de rien, on peut ne pas aimer le mec, mais. Il a quand même fait et puis continue de faire. On me dit que je ne fais pas la promotion du concert de Didier Arafat. C'est méchant de votre part. Ça, je vous le dis honnêtement et clairement, c'est vraiment, vraiment méchant de votre part. Je vous explique. Malgré que, écoutez-moi bien, malgré que, il y a certains vidéos de Didier Arafat qui continuent à faire la promotion, j'aimerais simplement que vous allez sur ma chaîne et puis vous regardez toutes mes vidéos, c'est-à-dire mes 50. Mais peut-être plus que ça, dernière vidéo, je revenais toujours sur le concert du 29 décembre et sur l'album de Didier Arafat. J'ai tout dit et tout fait. J'ai pas été hypocrite de vous dire que, ah, de la manière que c'est gâté, c'est plus une histoire de Didier Arafat et des Bordeaux là. Moi, je ne peux pas suivre, ce serait hypocrite parce que ce que moi je veux, en fait, c'est ça que vous devez comprendre, en fait, vous qui parlez d'hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie là. Ce que moi je veux, ce que moi je désirais. C'était pas de voir Didier Arafat et de Bordeaux se désunir un jour. Ou bien être en palabre un jour. C'est pas ce que je voulais. Je rêvais voir ces deux-là sur la scène en train de nous faire danser, en train de nous faire vibrer. C'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, pour une histoire d'argent, pour une histoire d'incompréhension, c'est un seul qui fait. Non, moi je peux pas soutenir. Je le dis clairement. C'est pourquoi ça fait de moi un hypocrite. Je suis désolé, ça c'est vous qui voyez. Mais beaucoup savent au fond d'eux que c'est pas de l'hypocrisie. Bien au contraire, c'est de la franchise et de l'honnêteté. Il faut arrêter un instant.
J'ai trop défendu Didier Arafat. Je parle de sa petite période noire, où tout le monde passait son temps à le descendre, à le dénigrer, à le comparer à ses petits frères Safari Obiang et Arel Chini, à dire qu'il est fini, à dire qu'il n'est plus à la mode, à dire qu'il n'a plus d'inspiration. J'ai été là pour rehausser l'image de Didier Arafat. J'ai été là pour dire du bon nom de Didier Arafat. En fait, je fais cette vidéo-là pour que ce soit clair en fait dans votre esprit, parce que je n'ai rien contre Didier Arafat. Je n'ai vraiment rien contre lui. Et je n'ai pas dit que je ne parlais plus de Didier Arafat. C'est pas ce que j'ai dit, les amis. Montrez-moi la vidéo où j'ai dit que je parle plus de Didier Arafat. J'ai dit je vais soutenir désormais mon artiste, mais ce concert du Vénère de Sandy Didier Arafat, moi, je ne peux pas faire la promotion, je ne peux plus faire la promotion. Si je décide aujourd'hui de faire la promotion de Safari Lobiang et Arel Chiné, je le faisais même avant. Pendant que je faisais la promotion du concert d'Arafat et de Bordeaux dans mes vidéos, je parlais aussi du 1er janvier 2019. Je vous incitais même à mettre un peu d'eau dans votre vin pour soutenir ces enfants-là, pour soutenir ces jeunes-là qui font vraiment honneur et plaisir à la culture ivoirienne. Ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas faux. Parce que les faux ici, c'est vous. Voilà. Moi, chaque jour, il y a au moins 3, 4 ou 5 Chinois qui rentrent dans mon inbox pour m'encourager, pour me dire de ne pas vous écouter. Parce que vous, vous êtes des adeptes du diable. C'est-à-dire vous êtes des adeptes de la division. Vous n'avez jamais aimé la réconciliation entre Bordeaux et Didier Arafat. Vous n'avez jamais, jamais, jamais aimé ça. C'est la triste réalité. C'est Dieu qui est notre témoin, c'est Dieu qui nous voit. Vous faites des choses aujourd'hui, vous mettez des mauvais commentaires, vous réagissez, vous pensez, moi je suis pas venu sur YouTube pour vous plaire. Non! Je suis venu faire quelque chose parce que j'aime d'abord parler, j'aime bien partager ma vision, mon esprit, mon éducation, comment je vois les choses. J'aime bien partager ce que je sais. C'est pourquoi je suis YouTube. Donc si toi, par exemple, tu dis que je ne te plais pas, mais abstiens-toi de commenter mes vidéos. Abstiens-toi de ne plus les regarder. Parce que parmi vous, les Chinois, là, il y a beaucoup qui sont toujours avec moi. C'est pourquoi mes abonnés ne cessent d'augmenter. Voilà. Quand désormais, je vais commencer à diverser mon contenu, je vais déjà commencer par rentrer par le micro-trottoir. Les mêmes encore, vous allez venir encore vous cacher pour regarder mes vidéos. Moi, personnellement, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne regarde plus ses vidéos. Ça ne me dit absolument rien. En même temps aussi, dans cette vidéo, j'aimerais lancer un petit message aux fans de Bordeaux Likoufa. Et même à Latis aussi. Tu sais, de Bordeaux, tu peux peut-être en vouloir à ton ami, je sais pas si c'est le cas. Mes amis fans de toi aussi sont très remontés comme Didier Arafat. C'est votre droit. Mais il y a un truc que vous devez comprendre et respecter chez moi, Stéphane Avi. Je ne fais pas les choses comme vous voulez. J'ai toujours fait les choses comme je veux. Et puis parce que ça sera bénéfique pour toi. Oui, pour toi. Parce que si tu n'as pas compris ça, mais si vous n'avez pas encore compris ça chez moi, Stéphane Avi, vous allez toujours mal me juger. Et c'est votre droit. Tout comme fait, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais je tenais à faire cette vidéo-là pour vous dire, moi, de la manière que je réfléchis, là, de la manière que je vois la vie, de la manière que je vois les choses, là, étant fan des Bordeaux, là, c'est vraiment différent de la vôtre, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Mais en même temps, je respecte votre mentalité, votre façon de voir les choses. Moi, je désire simplement que vous me soutenez, vous comprenez où j'envoie le truc, où je vais en venir, et puis qu'est-ce que je peux faire, ou qu'est-ce que je veux faire pour des Bordeaux. C'est ça le plus important. Ne vous concentrez pas sur les histoires de Arafat a fait ça, ses fans sont comme ça, pour envenimer la situation en fait. On n'a pas besoin de ça. Parce que si on fait comme eux, on n'est pas différent d'eux. On est tous même chose. Oh, moi, je n'aime pas comme un mélange. Je n'aime pas du tout comme un mélange. C'est pourquoi, quand certains vidéomans de Didier Arafat passaient le temps à insulter des Bordeaux, à dénigrer des Bordeaux, à rabaisser des Bordeaux, moi, je passais tout mon temps ici à faire la promotion de Didier Arafat, à dire que son bon nom, à le défendre sur tous les plans. Mais son conseil arrive. Puisque mon Bordeaux n'est plus de la partie. Je l'ai dit clairement, je n'ai pas caché. C'est vrai que je me suis tué sans rien dire. J'ai dit que, ah, comme c'est plus une histoire d'union, c'est plus un conseil de paix et de réconciliation, moi je ne me retrouve pas dedans. Bonne chance pour son conseil. Il a fait son revanche familial. J'ai regardé, j'étais content. J'étais très fier. Pourquoi ne pas comprendre les choses comme ça et puis m'obliger à comprendre les choses comme vous voulez? Donc, chers fans chinois, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. C'est votre droit de commenter comme vous voulez, mais comprenez-moi. Voilà, comprenez-moi. J'ai rien contre Didier Arafat.
Mais je suis vrai dans ce que je fais. Je ne suis pas faux. Ce concert dont vous parlez là, j'ai déjà fait la promotion. Beaucoup de fois même. Dans plusieurs vidéos même. Donc si je ne le fais pas, j'ai pas obligation de le faire encore. Parce que j'ai décidé personnellement de ne pas soutenir ce concert là. Où est le mal? Ça ne va pas empêcher toute cette masse à laisser passer pour aller à l'Ivoire Golf Club. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez réfléchir à ma place. Être d'accord avec. Ah, je comprends, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Ok, à foi, c'est son choix, on respecte cela. C'est ça, vivre avec beaucoup d'harmonie et de respect. Tu respectes ce que ton ami dit, il respecte aussi ce que tu dis. Bon, les amis, j'espère que j'ai été clair. Merci à tous ces vrais Chinois-là qui me soutiennent. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse énormément. L'album de Didier Arafat arrive. Je prie tous les fans du coupé décalé à acheter cet album-là. C'était Eriton. À demain.